C'est autant. Okay. Ni matin, mais qu'une rose, on se dit tous les petits as vous, quand. Okay. La non, Facebook, isn't it? Yeah. But we must behave, don't be. Mommy, Good I afternoon, ma'am. Good afternoon, ma. Welcome. Thank you very much. Thank you, ma'am. T'entends de l'enfant? Ok, ma. Ok, good evening, everyone. Good evening. You are welcome to today's session or today's edition of the Exchanges Program. I want to welcome each and every one of you. If you're coming for the first time, you are highly welcome. And if you have joined us before, once again, you are welcome. So please, we are going to start by taking the opening prayer. The translator. Ah, bonsoir à cette édition d'échange. On va commencer par un petit mot de prière. Sorry, bravo. No problem. Okay, Father, in Jesus' name. Au nom de Jésus. Father, in the mighty name of Jesus. Et au nom de Jésus. Everlasting Father, King of glory, we worship you and we bless your holy name. Père éternel, Dieu de gloire, nous te bénissons et nous magnifions ton saint nom. We thank you, Lord, once again for this awesome time in your presence. Nous te disons encore merci pour ce temps merveilleux dans ta présence. Lord, we ask that even as we are about to start this session, Father. Et nous demandons qu'alors que nous commençons cette session, Père. We come in all of your glory, Lord, in Jesus' name. Amen. La gloire au nom de Jésus. Holy Spirit of God, we welcome you, Lord. We ask you to take over the entire session and the entire atmosphere in the name of Jesus. Amen. Saint-Esprit de Dieu, nous t'accueillons. Prends contrôle de tout le programme au nom de Jésus. Holy Spirit of God, we ask you that you will teach us. Amen. Saint-Esprit, éduque-nous. And that may we not leave this meeting the same in the name of Jesus. Amen. Et que nous ne quittions pas cette réunion les mêmes au nom de Jésus.
Once again, Lord, we want to invite you, Father. We ask you to take absolute control of everything that we are going to do this evening in Jesus' name. Amen. Une fois de plus, Saint-Esprit, nous t'invitons, demandons que tu prennes le contrôle en entier de tout ce que nous ferons ce soir au nom de Jésus. For in Jesus' mighty name, we have prayed. Au nom de Jésus, avons prié. Amen. So once again, I welcome you all. And before we go into the main item for today, I would like to remind us of the rules. Nous vous encore la bienvenue. Avant que nous puissions commencer, nous voulons rappeler certaines règles. So the first rule is. La première règle c'est. Please, everyone, you are to mute your microphones. Chacun d'entre nous doit éteindre son micro lorsque nous ne parlons pas. So as not to interfere or disturb the guest speaker as she's speaking. Pour ne pas perturber l'oratrice lorsqu'elle prêchera. The second rule is. La deuxième règle c'est. If you have any questions. Si vous avez des questions. Please, you can send them to the chat box. Vous pouvez l'envoyer dans le chat. And the moderators will they will read out your questions. Et les modérateurs liront vos questions. And your questions will be answered. Et vos questions seront répondues. You can also raise up your hand at the end of after mommy has finished speaking at the end of her talk. Vous pouvez aussi lever la main à la fin de l'enseignement. If you have any questions. Si vous avez une question. Okay, so we're going to go right in, but before we start. Avant qu'on ne commence, Dr. Desi is going to be giving us a recap. Dr. Desi va nous faire une récapitulation, une révision. Of last week's session, or 2 weeks ago. De ce que nous avons appris il y a 2 semaines de cela. So over to you, please, Dr. Desi. À toi, Dr. Desi. Thank you very much. Good afternoon, everybody. You're welcome. Merci beaucoup. Bienvenue à tout le monde. We're going to do a quick recap of the last topic that we did on our exchanges program. On va faire une petite révision de ce que nous avons appris la semaine dernière, il y a 2 semaines. Which was titled Personal Financial Management. Et le thème, c'était la gestion des finances personnelles. Firstly, we defined what personal finance is. Nous avons d'abord défini qu'est-ce que c'était les finances personnelles. Which we defined is the process of planning and managing personal financial activities. C'est le processus de planification et de la gestion de nos finances personnelles. Such as income generation, spending. Comme nos revenus, nos dépenses. Investing, saving. Nos investissements et nos épargnes. And protection. Et la protection. We say the income is the cash inflow that a person receives in the form of salaries or bonuses. On a dit que nos revenus, c'est toute forme d'argent qu'une personne reçoit sous forme de salaire ou de bonus. It can be as hourly wages or profits or gifts or dividends. Ça peut être salaire à l'heure, ça peut être des profits, ça peut être des intérêts ou des dons. And we've also mentioned that all this can help generate cash. Nous avons dit que tous les revenus nous permettent d'avoir de l'argent. We looked at savings, which we said is when we have excess cash that is retained for future investing or spending. Avant vu l'épargne, c'est tout reste d'argent qu'on pourrait utiliser soit pour les dépenses, soit pour investir. Yes, we looked at the common forms of savings, which were physical cash, or savings in the bank account, or having a fixed deposit. Avant vu les différentes formes d'épargne, l'épargne physique, l'épargne bancaire et l'épargne fixe. We've also seen the point that, yes, savings are good, however, it's even better to invest. On a vu la dernière fois que c'est bien d'avoir de l'épargne, mais il serait mieux ou préférable d'investir son argent. Because with investing, we've learned that it helps you to earn more money in return. Parce que lorsque nous investissons, nous avons plus d'argent. And we've defined investing as basically the purchasing of assets that would expect to generate cash for us in return. On a dit que l'investissement, c'est acheter des actions qui nous permettront de générer l'argent en retour. We've learned about the different forms of investing, such as stocks.
bonds, mutual funds, going into real estate or entrepreneurship. On a vu les différentes formes d'investissement. On a vu, il y a les actions. On a vu la coopérative. On a également vu faire des cours, etc. Yes, and we have noted that investing is one of the most complicated aspects of personal finance. On a appris que investir, c'est l'un des aspects le plus difficile de la gestion personnelle des finances. Therefore, it is advisable to get professional advice. C'est pour ça qu'il faut avoir l'aide d'un professionnel. And also to remember that there are some risks and rewards that are involved in investing. Aussi, avoir en tête qu'il y a des risques et aussi il y a des bénéfices qui sont inclus dans les investissements. We've learned that having a good financial management starts with having a solid financial plan and actually sticking to the plan. On a appris que pour avoir une bonne gestion financière, il fallait avoir un bon plan financier et vraiment être strict dans l'application de ce plan. And this is a process, and we have learned the different steps that are involved in this process. On a vu les différents procédés pour cela. Which is assessing your resources, number one. Setting your goals. À définir tes ressources. Se fixer des objectifs. Developing a plan to achieve these goals. Développer un plan pour que tes objectifs soient atteints. And then executing the plan and monitoring and reassessing. Exécuter le plan, contrôler et corriger ce plan. We've also looked at essential qualities that one needs to possess in order to experience or live out this financial stability. On a aussi vu les différentes qualités que chacun devrait développer pour avoir une stabilité financière. We've looked at the first one as being faith, based on Philippians 4:13, which says, I can do all things through Christ who strengthens me. On a vu la foi sur la base de Philippiens 4:13, qui dit que je puis tout par Christ qui me fortifie. Being faithful to God and to people, faithfulness. On a vu la fidélité à Dieu aux gens. Competency, being competent, based on Proverbs 22, verse 9, which says, see a man diligent in his business and he will stand before kings and not mere men. On a vu la compétence. Proverbe 22, verset 29, dit que voir un homme qui excelle dans son business, il ne se tiendra pas devant les hommes comme un, mais devant les grands hommes. Another quality was developing a savings and an investment culture. On a aussi dit qu'il fallait développer une culture d'épargne et d'investissement. And the last quality we looked at is being a giver for kingdom work to your parents, to those in need. On a aussi appris qu'il fallait être un donneur, donner à l'œuvre de Dieu, donner à ses parents, donner à ceux qui sont dans le besoin. And in conclusion, we looked at some of the advices we received from our speaker based on money management. Et à la fin, nous avons eu quelques bons conseils de notre orateur du jour. We've learned that it's very crucial to know the difference between your needs and your wants. Un, il faudrait que tu puisses faire la différence entre tes besoins et tes désirs. Understanding your income trends and your actual expenses. Tu dois aussi comprendre ce que tu as comme revenu et ce que tu peux dépenser. Avoiding debt and lastly, avoiding wasteful spending and false lifestyle. Éviter les dettes et éviter un style de vie dépensier et une vie fausse. So thank you very much for the short recap of what we did last time in our exchanges program. Merci beaucoup. C'était juste une petite récapitulation de ce qu'on avait appris la dernière fois. Okay, thank you very much, Dr. Desi, for that wonderful recap. Merci beaucoup, Dr. Desi, pour cette récapitulation. So now we're going to be handing over to Mommy. Maintenant, on va inviter l'oratrice du jour. Our guest speaker for today. Notre oratrice d'aujourd'hui. Mrs. Adedoko Aino. Madame Adedoko Aino. You are welcome, ma. Thank you so much, ma. Bienvenue, madame. We were so blessed in the last session. Thank you so much, ma. Nous avons été vraiment bénis avec la dernière session. Merci beaucoup, madame. Yes, ma. Okay, over to you now, ma. À toi maintenant, madame.
Thank you very much, Dr. Dola and Dr. Desi for the recap. We thank God for your lives. And I want to appreciate Dad in the Lord. Translation. Sorry. Dola, okay. Please unmute Madame Mary. C'est bon, je suis là. Je veux remercier Mademoiselle Dola pour et Sister Daisy qui a fait un résumé. Merci, je remercie Dieu pour vos vies. I also want to thank our dad in the Lord, Pastor Daniel Ayeni. Je remercie aussi notre père dans le Seigneur, le pasteur Daniel Ayeni. And our mommy, Mommy Michelle Ayeni. Et notre mère dans le Seigneur, Mommy Michelle. For this wonderful opportunity. Pour cette magnifique opportunité. And above all, to thank Almighty God who has counted all of us worthy to come together to learn. Et avant toute chose et au-dessus de tout, Dieu Tout-Puissant qui nous permet de se réunir aujourd'hui et pour apprendre. Let us pray. Les prions. Father, in the name of Jesus. Père, au nom de Jésus. Our God and our Father, we are grateful for this day in which you have made. Notre Père, nous te remercions pour ce jour que tu as fait. We thank you, Lord, for counting us worthy to be among the living souls. Merci de nous trouver dignes d'être parmi les vivants. We thank you for previous exchanges program. Nous te remercions pour tous les programmes d'échange précédents. We thank you for how you have been imparting us Holy Spirit divine. Merci pour le fait de nous toucher, de la façon dont tu nous touches, Esprit Saint. Even as we have come today, O Lord, come and have your way in Jesus' name. Comme nous sommes réunis aujourd'hui, que ta volonté soit faite. Holy Spirit, the greatest teacher, come and teach us all in Jesus' name. Esprit Saint, le meilleur maître, viens nous enseigner au nom de Jésus-Christ. We pray we'll not be hearers alone, but the doers of your word in Jesus' name. Nous prions pour que nous ne soyons pas seulement ceux qui écoutent, mais ceux qui accomplissent au nom de Jésus-Christ. I will pray that in the nearest future, we'll look back and we'll glorify you, God, for being part of this program in Jesus' name. Et nous prions pour que dans le futur, quand nous regarderons en arrière, nous remercions pour cette possibilité d'être dans ce programme. Merci, Seigneur. Thank you, Almighty Father. Merci, Dieu Tout-Puissant. Blessed be your name, O God. Sois béni, Dieu Tout-Puissant. In Jesus' mighty name we pray. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 So we thank God once again for this wonderful privilege, and we are not taking it for granted. Nous remercions encore une fois pour cette opportunité. Ce n'est pas en vain. Our topic today is budget, a tool for financial planning. I said our topic today is budget, a tool for financial planning. Maybe the slide can be coming in now. Okay. Okay, good. Our topic is budget, a tool for financial planning. Le budget, un instrument pour la planification financière. And when we say a tool, it means an instrument that we can use to achieve a successful financial planning. C'est un instrument que nous devons utiliser pour avoir une planification financière réussie. Let's move to the next slide. Le slide précédent. Our text is taken from the book of Luke, chapter 14, verse 28. Notre texte d'aujourd'hui est tiré de Luc 14, verset 28. It says, qui dit, Luke 14, 28 says, qui dit, suppose one of you, car lequel de vous wants to build a tower, s'il veut bâtir une tour, won't you first sit down, ne s'assied d'abord, and estimate the cost, pour calculer la dépense, to see if you have enough money to complete it,
et voir s'il a de quoi la terminer. That is what we're talking about budget. Nous parlerons du budget. It entails us sitting down. Il faut d'abord s'asseoir. Doing a calculation, do a kind of calculation. Faire un calcul. If you want to embark on any project or want to do anything as a lady. Quand on veut commencer un projet ou commencer quelque chose comme une femme. We have to sit down. Nous devons nous asseoir. Estimate the cost. Estimer le coût. Estimate the cost. Estimer le coût. Or calculate the cost. Calculer la dépense, le coût. To see if we actually have enough. Pour voir si nous avons suffisamment. To implement the project. Pour commencer le projet. Or to embark on a particular task. Ou pour commencer une tâche particulière. So at the end of the presentation, you'll be able to understand the meaning of budgets. À la fin de cette présentation, vous serez capable de comprendre ce que c'est qu'un budget. What budget is all about. De quoi, qu'est-ce que c'est le budget? And to create a simple, practical and flexible budget. De faire un budget simple, pratique et flexible. Make necessary adjustments if your expenses is greater than your income. Équilibrez vos dépenses s'ils sont plus grandes que vos revenus. Then plan to have savings from your income. Planifiez d'avoir des épargnes qui viennent de vos revenus. Next slide. Now, understanding or definition of budget. Notre compréhension ou définition du budget. Budget is a financial plan. Le budget est un plan financier that lists expected expenses contenant toutes les dépenses and income et les revenus during a particular period. Pendant une période bien déterminée. It could be weekly. Ça peut être un mois. It could be monthly. Ça peut être 2 mois. It could be bi-monthly. Ça peut être pendant un trimestre. It could be quarterly. Pendant un quart d'année. It could be yearly. Ou une année. And so on. Ainsi de suite. That is when we talk of budget. Quand nous parlons du budget. We are talking of a financial plan. Nous parlons d'un plan financier. Whereby we will list our expected expenses. Où nous notons toutes nos dépenses. That is those expenses we are about to incur, we are expected to incur. Toutes les dépenses que nous pensions avoir. Those purchases we are about to do, or we are supposed to do, or we are expected to do. Et tout ce que nous espérons faire. And our income. Et nos revenus. That is how we generate our income. Comment viennent nos revenus? In a particular period of time. Pendant une certaine durée de temps. Now we bring it next slide, please. Now we now bring it to monthly budgets now. Donc le budget mensuel. And when we talk of budgets monthly, it has to be written down. Le budget mensuel doit être écrit. With the use of paper and pen. Vous devez utiliser une feuille et un bic. Or we use our computer. Ou vous utilisez votre ordinateur. Yes, it's a written monthly budget. C'est le budget mensuel écrit. It's a financial planning tool. C'est un instrument financier. That allows you to plan how much you spend. Qui aide à planifier combien tu dépenses. Or save each month. Ou économise chaque mois.
That is when it is written down. Quand il est écrit. Not written in our head or our hearts. Pas imaginé dans notre cœur, écrit dans nos cœurs ou bien dans nos têtes. Because there's possibility of forgetting what is written in the heart or in the head. Parce qu'il y a une grande possibilité d'oublier cela. So a written monthly budget. Donc, financial planning tool. Donc le budget mensuel, c'est un instrument financier. It will allow you to plan how much you want to spend on different categories of items. Il te permettra de connaître combien tu peux dépenser dans chaque catégorie. And how much you intend to save at the end of the month. Et combien tu économiseras à la fin du mois. And we talk of written monthly budget as well. Quand nous parlons du budget mensuel écrit, it allows you to track your spending habits. Il te permet de contrôler tes habitudes de dépenses, dépensières. Whether you are spending or not. Quand tu dépenses ou pas. Whether you are spending beyond your income or not. Si tu dépenses plus que tes revenus ou pas. So when we write down our budget, it will help us to track our spending habits. Quand nous écrivons nos dépenses, ça nous permet de contrôler les dépenses, nos habitudes. Next slide, please. Now we have personal budget strategy. Nous avons des stratégies pour le budget personnel. By personal budget strategy. Quand on parle de stratégie de budget personnel, it allows us to have different ways in which we can plan our budgets. Ça nous permet d'avoir plusieurs façons de planifier notre budget. Because what is applicable to me may not be applicable to you. Parce que ce que moi j'utilise, tu peux ne pas l'utiliser, ça peut ne pas être appliqué à toi. So we have different personal budget strategies. Donc nous avons plusieurs stratégies pour un budget personnel. Number one is envelope budgets. Le numéro un, la première stratégie, c'est l'enveloppe budgétaire. In this kind of budget strategy, pendant cette stratégie, you assign money to each category of envelope at the beginning of the month, like we can see on the slide. Vous attribuez une somme d'argent précise que vous mettez dans des enveloppes au début de chaque mois. By this, we take appropriate cash from our income. Donc, vous prenez de l'argent de votre revenu. And we put it in different designated envelopes. Et vous mettez dans chaque enveloppe étiquetée. That is labeled with name of each category, like we can see on the slide. Donc, sur chaque enveloppe, il y a le nom de la catégorie, comme on peut voir sur ce slide. Like electricity now, we have an envelope for it. Comme pour l'électricité, vous avez une enveloppe. Food, we have an envelope for it. Pour la nourriture, vous avez l'enveloppe. Rent or hotel accommodation, we have envelope for it. Pour le loyer, vous avez une enveloppe. And so on and so forth. Ainsi de suite. In this kind of strategy, an envelope budget. Pendant cette stratégie de l'enveloppe budgétaire, when you exhaust the money in a particular envelope, quand l'argent finit dans une enveloppe donnée, you either stop spending for that month. Vous arrêtez de dépenser pour ce mois. And postpone the next spending to the next month. Et vous mettez la dépense que vous voulez faire ce mois au mois prochain. Or you can take from another envelope to augment that envelope that is exhausted. For adventure, you need to spend in that one that you have exhausted. Ou bien vous prenez d'une autre enveloppe pour couvrir cette dépense. So this is envelope budget. Ça, c'est la stratégie de l'enveloppe budgétaire. And by this, it helps you to track your spending.
Et ça vous permet de suivre vos dépenses. Particularly when you notice that you have finished spending a particular envelope. Surtout quand vous remarquez que vous avez fini l'argent qui est dans une enveloppe donnée. You know that this envelope now is exhausted. So either you stop spending for that month or you take money from another envelope to spend in case you want to incur spending there too. In the envelope you have exhausted. Donc, ça vous permet de savoir dans quelle catégorie vous dépensez le plus et de, s'il faut couvrir la dépense, prendre l'argent d'une autre enveloppe. Next slide, please. Another strategy is the 50-30-20 budget. Il y a une autre stratégie qui est le budget 50-30-20. In this strategy, you break down your spending on different categories. Dans cette là, tu dois répartir ton argent dans chaque catégorie. 50% we go for mandatory. 50% de tes revenus vont dans les besoins essentiels. And mandatory are those things that you can't do without. It's a compulsory payment or compulsory spending. You must undergo each month. C'est les trucs dont vous ne pouvez pas vous débarrasser. C'est les trucs obligatoires que vous devez, dans lesquels vous devez donner de l'argent chaque mois. Mandatory are also your needs, not your wants, like we discussed last time. Ce sont vos besoins essentiels, pas vos désirs, comme on l'a déjà dit la fois passée. So you earmark 50% for your essentials or your needs or your mandatory category or expense. 50% c'est pour vos besoins essentiels. Why 30% of your income should be spent on discretionary expenses? 30% serait utilisé pour vos besoins facultatifs. And discretionary expenses are those expenses that you can do without, but you choose to spend money on them. Les besoins facultatifs, ce sont ces besoins dont vous pouvez vous passer, mais vous décidez quand même de vous faire plaisir. They are your wants. C'est vos désirs. You can do without them, but you choose to spend money on them. Vous pouvez faire sans eux, mais vous choisissez vous-même de dépenser de l'argent pour cela. Why your 20% should be spent on savings like we agreed last time? Et 20% doit être utilisé pour vos économies, comme on l'a dit la dernière fois. 20% of your income goes to your savings. 20% vont dans vos épargnes. Or repayment of debt, if you have any. Ou pour payer vos dettes, si vous en avez. The third budget strategy is $0 budget. La troisième catégorie, c'est le budget nul. In this kind of strategy, you involve all your planning. It involves planning how you are going to spend your income down to the last penny. Durant cette stratégie, vous planifiez comment vous dépenserez tous les revenus jusqu'au dernier sou. That is every income you have should be assigned to a particular spending. Donc, chacun des revenus que vous aurez sera utilisé pour des dépenses données. And this allows you to know where your money is going at any given time. Et cela te permettra de savoir à quoi aura servi ton argent dans le temps. This also helps you to monitor or track your expenses. Cela aussi peut t'aider à contrôler tes dépenses. And like we can see in the zero budget, comme nous pouvons le voir dans le budget nul, also we always take the lion's share of the income. Donc le logement prendra la plus grande partie. We spend on accommodation, on transportation. On dépense pour le loyer, pour le transport. On insurance, pour l'assurance,
And so on and so forth. Ainsi de suite. We make sure that we assign each monetary value to each category of our spending each month. Donc vous êtes obligé là de déterminer la quantité d'argent que vous utilisez dans chaque catégorie chaque mois. That is $0 budget. C'est le budget nul. Next slide, please. Now, how to create or make a simple budget? Donc, comment faire ou établir un budget simple? And I want to believe by now, because we are going to do a practical today by the grace of God, where we have we do our own budgets. So I believe every one of us have our biro and our papers with us. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui on fera une pratique. Donc, j'aimerais que chacun ait une feuille de papier, un cahier, un bic pour être prêt. That we used to make our budget today. Donc, on va faire notre budget aujourd'hui. To create or make a budget, pour faire un budget, you have to start by creating a picture of your true financial situation. Vous devez commencer par avoir une image claire et vraie de votre situation financière. That is what you want. How income comes into your hand, which takes us to our step one. Donc, tout ce qui vient dans vos mains, vos revenus. Donc, c'est notre première étape. The next slide, please. The number one thing we do when we want to make a budget is you determine your income. Quand vous voulez faire votre budget, vous devez identifier vos revenus. For those that are working, they have salary. Pour ceux qui travaillent, ils ont un salaire. And for students, the monthly allowance or monthly stipend. Et pour les étudiants, ils ont la bourse mensuelle. Bonuses for those that are working. Les bonus pour ceux qui travaillent. As a result of reward on their performance. Quand ils ont bien travaillé, ils sont récompensés par les bonus. Hourly wages for those that are doing work weekly or daily. La paye à l'heure pour ceux qui travaillent par jour ou par semaine. Interest on our bank account, on our savings account. Les intérêts qu'on a qui viennent de nos épargnes. Then profit for those that are into business. Les profits pour ceux qui sont dans le business. Gifts from different sources. Les différents cadeaux de différentes sources. Dividend for those that have shares with companies. Les dividendes pour ceux qui ont des actions dans des compagnies. Government benefit from those that are collecting benefit from the government. Les bénéfices de l'État pour ceux qui travaillent pour l'État. Then social securities like pension insurance for those that for pensioners. Et la sécurité sociale comme la pension, l'assurance pour ceux qui sont en retraite. So by this we determine our income. Comme cela, nous identifions nos revenus. That is what comes into our hand at the end of the month. Donc tout ce qui vient dans vos mains à la fin du mois. It could be more than this. Ça peut être plus que cela. And it could be less than this. Ça peut être moins que cela. Depending on individual. Ça dépend de chacun. And if by venture you are into buying and selling, you are doing business. Et si tu achètes et revends, si tu fais du business, you must pay yourself at the end of the month. Tu dois te payer toi-même à la fin du mois. I mean from the profits. Ça, tu dois recevoir de l'argent du profit que tu fais. You pay yourself. Tu te payes. Not from the total revenue that comes into your purse. Pas du revenu total qui vient à la fin du mois. Mais le profit que tu fais après cette vente. You pay yourself at the end of the month. You press this first. Le profit que tu reçois à la fin du mois. And if you don't get paid monthly, et si tu ne reçois pas de salaire mensuel,
You look at your income in the last year. Et de distractif, Felicie. Non. Tu regardes combien tu as reçu l'année dernière. And divide it by 12. Et tu divises par 12. To determine your likely income for the year. Pour trouver ton revenu mensuel. To get each month's pay. Combien tu reçois par mois. So, like I said, the first thing is that we determine our income. We want to create our budget. We determine our income. Donc, la première étape, c'est d'identifier les revenus. And we have listed those income earlier. Et ces revenus, on a fait une liste. Next slide, please. Number two step is that you list categories of mandatory expenses. Donc, la deuxième étape, c'est de faire la liste des dépenses obligatoires. Like I said earlier, mandatory expenses are the expenses that you must pay every month. Les dépenses obligatoires, ce sont celles que tu dois payer chaque mois. And they are vital to your housing. Elles sont vitales pour ta maison. Work. Pour ton travail. Or legal obligations. Tes obligations légales. They are mandatory because you can't do without spending on them. Elles sont obligatoires parce que tu ne peux pas faire sans elles. So it's a kind of fixed cost, like economics report. C'est un coût fixe que tu as chaque mois. It's a fixed cost that you must incur as an individual or as a family. Comme une personne ou bien comme une famille, ce sont des dépenses obligatoires de chaque mois. Number one is your tithe as a child of God. La première dépense, c'est ta dîme comme enfant de Dieu. Because the Bible says we should seek first the kingdom of God and all these things shall be added unto us. Parce que c'est écrit que nous devons rechercher premièrement le royaume des cieux et toutes les autres choses s'ajouteront. So our number one in our mandatory list is our tithe as a child of God. Donc, dans notre liste de dépenses obligatoires, le numéro un, c'est la dîme. Another one is our offering or gifts. La deuxième chose, c'est nos offrandes ou cadeaux. It's also mandatory. C'est aussi obligatoire. That is, it's compulsory. I said that is compulsory. Non, Mombi, tu peux m'aider là. Même chose en français, obligatoire, c'est la même chose. Ok, c'est obligatoire. Ok. Another one that is mandatory is our rent. Autre chose d'obligatoire, c'est la location. We must all put our heads somewhere. Nous devons tous mettre nos têtes quelque part. Which makes it mandatory. Ce qui fait de cela un truc obligatoire. For those that are working, rent, and for students, accommodation fee. Donc, pour ceux qui travaillent, la location. Ou pour les étudiants, la même chose. Le loyer du foyer. Another mandatory expenses is electricity. Une autre des dépenses obligatoires, c'est l'électricité. We can't do without using light. On ne peut pas faire sans utiliser la lumière. So it is mandatory. Donc, c'est obligatoire. Another mandatory expenses is water. Aussi l'eau. Heat. Le chauffage. Internet. L'internet. Food. La nourriture. Health insurance or medical. L'assurance médicale. Charge care for those that have family. Le soin des enfants pour ceux qui ont une famille. Transportation to and fro work for those that are working. Le transport pour aller et revenir du travail pour ceux qui travaillent. Transportation to and fro school for students. La même chose pour ceux qui vont à l'université, le transport unless pour aller revenir. Unless I forget, school fees for students. Et aussi ceux qui payent pour les études. It's mandatory. C'est obligatoire. Then parental support for those that are working. Donc aide aux parents pour ceux qui travaillent déjà. Then savings.
et les épargnes. All these are lists of categories of mandatory expenses. Donc, tout ça, c'est la liste des dépenses obligatoires. Those things that is compulsory that we must spend on. Toutes ces choses sont obligatoires, ce pourquoi nous devons dépenser. Next slide. Step three is list of discretionary expenses. L'étape numéro 3, c'est la liste des dépenses facultatives. Like I said earlier, these are the things that you can go without. But comme je l'ai déjà dit, ce sont des dépenses dont tu peux te passer. But often you choose to spend money on them. Mais d'habitude, tu choisis de dépenser ton argent pour cela. They are wants, not actually what we needed. Ce sont des désirs et non pas des besoins. They include fitness membership. Ils peuvent inclure la carte de membre au club de fitness. You may choose to go to gym. Tu peux choisir d'aller au sport. And you may choose to do it at home by watching the YouTube to do your. Tu peux choisir de faire le sport à la maison en regardant les chaînes YouTube. Another thing is clothing. Autre chose, l'habillement. Why I put clothing in discretionary is because it's not all the time we spend money on clothing. Pourquoi j'ai mis l'habillement dans les dépenses facultatives? Parce que ce n'est pas chaque mois que nous avons besoin de nouveaux habits. Like we all know, there's always a time that is advisable for us to buy clothes. Nous savons tous qu'il y a un temps approprié pour acheter les habits. Particularly this period in which we are. Particulièrement dans la période dans laquelle nous sommes. So we may choose to spend on clothing, or we suspend it to a particular period of time. Nous pouvons choisir d'acheter les habits ou nous pouvons arrêter cela pendant un temps donné. Another discretionary is a cable TV. Une autre dépense facultative, le câble de la télévision. You may choose to subscribe to cable TV. Tu peux choisir de t'abonner à la télévision, à un câble. Or prefer to use your internet, since your internet is part of your mandatory expenses. Ou utiliser juste ton internet, puisque si l'internet fait partie de tes dépenses obligatoires. Another thing is you may choose to eat outside or cook at home. Autre chose, tu peux choisir d'aller manger au dehors ou préparer à la maison. Another discretionary expenses is leisure travel. D'autres dépenses facultatives, c'est les voyages. You may choose not to travel and you may choose to travel. Tu peux choisir de voyager ou pas. Another one is housing cleaning. Autre chose, c'est une femme de ménage, une aide à la maison. You can do it yourself or you outsource it. Soit tu le fais toi-même, soit tu prends quelqu'un pour le faire. The same thing applies to home decoration. La même chose pour la décoration de la maison. All this we have mentioned, they are your discretionary expenses. Tout ce que nous avons mentionné, ce sont des dépenses facultatives. It could be more than this. Ça peut être plus que ça, la liste. And it could be less than this. Au moins que ça. All these things you can go without them, but you choose to spend money on them. Toutes ces choses, tu peux t'en passer, mais tu choisis de dépenser ton argent pour cela. We need to address it too in our budget. Donc, nous devons faire la liste de cela dans notre budget. Next slide. Step four is estimate expenses. La quatrième étape, c'est d'estimer vos dépenses. Once you have list all your spending categories, une fois que vous avez vos différentes dépenses, that is your mandatory and your discretionary, qui sont vos dépenses obligatoires et facultatives, then you assign monetary value to them. Vous leur ajoutez de l'argent, vous leur donnez une valeur. This is how much I want to spend on this. C'est voilà combien je vais dépenser pour cela.
you put figure. This is the exact amount I want to spend on this particular thing. Voilà la somme exacte que je veux dépenser pour cette chose-là, pour cette catégorie. Without looking at your spending patterns. Sans regarder précédemment à vos dépenses habituelles. Under the assumption that you have not had a written budget before. Considérant que vous n'avez pas fait un budget avant cela. Then you write down what you think you must or will spend in each category in a month. Donc tu écris juste combien tu penses devoir dépenser dans chaque catégorie chaque mois. And you need to be realistic with it. Et vous devez être réaliste. You don't just put figures for the sake of putting figures. Vous n'écrivez pas juste des chiffres pour écrire des chiffres. You need to be realistic. Vous devez être réaliste. Because you are making a budget. Parce que vous faites un budget. Next slide, please. Step 5, compare estimated to actual expenses. Donc, maintenant, vous comparez vos estimations à vos dépenses actuelles. By this, you go into your spending history. Donc, vous allez dans votre historique de dépenses. To determine what you actually spend in each category per month. Pour comprendre qu'est-ce que vous dépensez vraiment dans chaque catégorie par mois. And this can be achieved through your receipts and bank statements. Et ça peut être fait par vos reçus et vos relevés bancaires. And if there is a big difference between the two. Et s'il y a une grande différence entre les deux. That is between your income and your expenses. À savoir entre vos revenus et vos dépenses. Like we can see in the slide. Comme vous pouvez le voir sur le slide. So this is a strong indicator that you need a strict budget to manage your spending. C'est un indicateur qui vous montre à quel point vous devez avoir un budget strict et contrôler vos finances. That is when your expenses is more than your income. Ça, c'est quand vos dépenses sont plus que vos revenus. When how much you spend is more than how much actually comes into your hand at the end of the month. Quand tout ce que vous dépensez est plus que ce que vous gagnez à la fin du mois. You need a strict budget to manage your spending. Vous avez besoin d'un budget strict pour contrôler vos finances. And to keep track of your finances. Et savoir et vérifier vos finances et contrôler vos finances. Next slide, please. Step 6, you assign spending limits within your income. Vous fixez vos dépenses dans les limites de vos revenus. That is, once you have a sense of how much you are spending per month. Quand vous savez, vous avez un aperçu de vos dépenses par mois. Compared to what you think you spend. Comparé à ce que vous pensez que vous dépensez. So it is time to set a spending limit. Il est alors temps de se fixer des limites. That is, this is the least amount I should be able to spend on this particular thing. Donc, vous devez savoir exactement combien vous devez dépenser pour telle chose. And by this, you start by budgeting for the mandatory expenses. Donc, vous commencez par faire le budget pour vos dépenses obligatoires. And even in the mandatory expenses, et même dans les dépenses obligatoires, you must have in your mind that there should be urgent and not urgent. Vous devez savoir qu'il y a des dépenses urgentes et des dépenses pas trop urgentes. Important and not important. Donc urgente et pas urgente. So you start to budget for the urgent and important. Donc, vous commencez par les dépenses obligatoires et urgentes. Then add up these values. Donc, vous additionnez, vous les additionnez. And subtract them from your income. Et vous ôtez cette somme de vos revenus.
So the amount you have left is what you can budget for your discretionary expenses. Donc, ce qui reste, c'est ce qui peut être utilisé pour les dépenses facultatives. And like we said earlier, discretionary expenses are those things that, those expenses that we can go without, but we choose to spend money on them. Comme nous l'avons déjà dit, les dépenses facultatives sont ces choses dont nous n'avons pas vraiment besoin, mais que nous voulons avoir. So we should make sure that the money left now, we now spend it on our discretionary expenses. Donc, c'est maintenant le reste que nous pouvons utiliser pour les dépenses facultatives. And we should know that what we budget our budget, our expenses. Our expenses should not be more than our income. Nos dépenses ne doivent pas dépasser nos revenus. So that we don't run into debt. Sinon, vous serez endetté. This is where we need to cut our coats according to our cloth. Et là, maintenant, nous devons commencer par diminuer nos dépenses selon nos besoins. And because once you have debt, parce que quand vous commencez par avoir des dettes, your debt repayment becomes part of your mandatory expenses. Le paiement des dettes devient une dépense obligatoire. That is when you owe. Donc, ce que vous devez, what you are owing becomes part of your mandatory expenses. Ce que vous devez devient une partie de vos dépenses obligatoires. Because as a child of God, you are not expected to owe. Comme un enfant de Dieu, vous ne devez devoir à personne. Next slide, please. I said, if you have debt repayments, please back up. If you have debt repayments, si vous avez des dettes, start by budgeting for the minimum repayment. Il faut commencer par faire le budget, parle de petit budget. By this, you had the available, I mean, then you had what you have available as left over. Et après, vous augmentez petit à petit si vous avez des restes. To meet your financial goals like savings. Ce qui va vous permettre d'avoir des épargnes. Or for investment. Ou des investissements. Next slide, please. Step seven is look for how to cut expenses. L'étape numéro 7, c'est chercher à diminuer les dépenses. If you have more expenses than income, si vous avez plus de dépenses que vos revenus, you will need to find ways to cut down on your expenses. Vous devez trouver un moyen de diminuer vos dépenses. You do this by lowering your spending limit in the discretionary section of the budget. Vous commencez par diminuer vos dépenses facultatives. Or eliminate them entirely. Ou vous les éliminez complètement, totalement. That is, we start cutting from the discretionary. Donc, vous commencez pas à diminuer vos dépenses facultatives. Like we said, it's what we choose to spend on, but we can do without them. On le répète, les dépenses facultatives, vous pouvez faire sans, mais c'est so vous-même qui pouvez faire aussi. If our expenses is more than our income, so we can remove the discretionary section. Si nos dépenses sont plus que nos revenus, nous pouvons enlever les dépenses facultatives. Or we reduce how much we spend on them. Ou diminuer, ou les diminuer. Next slide, please. Okay. These are some examples, some ways in which we can reduce our mandatory expenses as well. Donc ça, c'est un exemple de comment vous pouvez réduire vos dépenses. We can go for a cheaper monthly
insurance premium. Obligatoire. Vous pouvez diminuer votre assurance médicale. We can reduce our expenses by using less electricity at home. Vous pouvez utiliser moins d'électricité à la maison. When you want to go out, you off your light. Even when you are inside, if you are not using the place, then you off the light in that place. Si vous sortez de la maison, vous éteignez toute la lumière, ou bien si vous n'êtes pas dans une pièce, vous éteignez la lumière dans cette pièce. All this is to reduce our expenses. Tout ça là pour réduire les dépenses. And for students, if you are the one that takes taxi to school, you can reduce the expenses by taking buses. Si vous êtes le genre d'étudiant à prendre le taxi pour aller à l'université, vous diminuez les dépenses en prenant le bus. And the same thing applies to workers too. You can choose to take bus instead of driving. La même chose pour les travailleurs. Vous pouvez choisir de prendre le bus au lieu de conduire. Spending less on groceries is another way to reduce our mandatory expenses. Réduire ses courses pour la nourriture. Another one is we can buy in bulk. Une autre chose, vous pouvez acheter en gros. When we buy in bulk, we reduce some expenses as well. Quand on achète en gros, on réduit les dépenses. So by this, we can cut down our costs or reduce our expenses. De cette façon, nous pouvons réduire nos dépenses obligatoires. Another way is to reduce our mandatory expenses is you can go for a cheaper accommodation, decent and cheaper accommodation. Une autre façon aussi de réduire cette dépense obligatoire, c'est de trouver un appartement moins cher. So that one will not be having pressure at the end of the month if our expenses is greater than our income. Pour éviter toute pression à la fin du mois quand nos dépenses sont plus que nos revenus. By all this that we have listed, we can reduce expenses on the mandatory. Donc, tout ce que nous avons dit, ça peut nous aider à diminuer nos dépenses obligatoires. And if your expenses are still more than your income, et si vos dépenses sont toujours supérieures à vos revenus, you may need to increase the amount you earn by adding or having other stream of income. Vous devriez alors augmenter vos revenus en ayant d'autres sources, une autre ou d'autres sources de revenus. Next slide, please. Step 8 is track your spending. La huitième étape, surveillez vos dépenses. Once you have your budget set for the month, une fois que votre budget mensuel est prêt, you will need to track your spending. Vous devez contrôler vos dépenses. That is, you'll be checking your spending from time to time. Donc, vous contrôlez vos dépenses de temps en that temps. That is tracking your spending. Comme ça, vous surveillez vos dépenses. And you can even do this by keeping your receipts. Vous pouvez le faire en gardant vos reçus. And by checking your bank statement. Ou vos reçus bancaires. And you stop when you have reached the limit in each category. Et vous vous arrêtez quand vous atteignez la limite dans chaque catégorie. And if you end up in spending more, et quand vous dépensez plus in one category, dans next une catégorie. Slide. Next slide. If you end up spending more in one category, si vous dépensez plus dans une catégorie than you have planned, plus que vous ne l'avez prévu, you can transfer money from one category to another category. Vous pouvez prendre de l'argent d'une autre catégorie pour aider dans cette catégorie. For example, par exemple, if you budget 5,000 rubles for food for 1 month, si vous avez prévu 5,000 roubles pour la nourriture pour le mois, and you ended spending 5,500 roubles, et vous dépensez 5,500 roubles,
then you can have 500 rubles. Vous pouvez ainsi prendre 500 roubles. From one category. D'une autre catégorie. To cover it. Pour remplacer. And to do this. Quand vous faites cela. You need to be checking your spending before making purchases. Vous devez surveiller vos achats avant vos achats. To see how much you have left. Pour savoir combien il vous reste. Next slide, please. Now we want to make our budget. Donc maintenant nous ferons notre budget. I trust we all have our pen and our book or paper. Je crois que nous tous nous avons un cahier et un bic. So let's quick do that exercise. Donc faisons vite ce. If you are a salary earner, you write how much comes into your hand at the end of the month. Exercice là. And if you are a student, you write your stipend or your monthly allowance. Si vous êtes un étudiant, vous écrivez la bourse que vous recevez chaque mois. And all other forms of income that we had learned earlier. Et toutes les autres formes de revenus que vous avez. Let's quickly do that now. Faisons-le rapidement. And at the same time, we list our expenses too, like we have learned. Et de la même façon, vous notez toutes vos dépenses. We start from our mandatory. Nous commençons par ce qui est obligatoire. Followed by our discretionary. Comme nous l'avons déjà dit. And don't forget your savings is part of your mandatory. N'oubliez pas que vos épargnes font partie des dépenses obligatoires. So I give us 2 minutes. Je vous donne 2 minutes. So if you have surplus budget, si vous avez un budget de surplus, that is after you have done your budget, after you have minus your expenses from your income. Après avoir supprimé, ôté vos dépenses de vos revenus. And you still have some money left. Et vous avez encore un surplus. That means you have surplus budget. Ça veut dire que vous avez un budget de surplus, un surplus. And if, on the other hand, your expenses, when you minus it from your income, et de l'autre côté, quand vous faites, vous enlevez vos dépenses de vos revenus, you have minus. Vous avez moins. That is to say, that is, you are negative, deficit budget. Ça veut dire que vous avez un budget déficitaire. And in our chat box, let us write if it is surplus, write surplus. If it is deficit, write deficit. Donc, dans notre chat maintenant, si vous avez un budget de surplus, écrivez surplus. Si c'est déficitaire, écrivez déficit. Please, let's quickly do that. Donc, faisons-le rapidement, s'il vous plaît. And our moderators will help us to check. Et notre modérateur va nous permettre de regarder. So that we can move forward. Pour que nous puissions avancer. Please, let's Donc, s'il vous plaît, faisons-le.
Please let's work. Let's use our calculator to make it. Utilisons nos calculatrices pour que cela soit plus rapide, s'il vous plaît. Please, if you have gotten like 5 or 6 responses, we can move forward. Okay, ma'am. Please, let's try to do something, please. Yes, we have about 5 responses now. Good. Donc nous avons déjà 5 réponses maintenant. From the responses, do we have more deficit than surplus or surplus than deficit? Qu'est-ce que nous avons plus, des surplus ou bien des déficits? We have more surplus than deficit. That's very encouraging. That's good. So let's quickly. Nous avons plus de surplus. Wow, c'est super. So let's quickly go through the one I made here. Donc, regardons ce que j'ai fait devant vous. I put salary to be 60,000, bonus to be 60,000. Yeah, le salaire ici, c'est 60,000. Bonus to be 6,000. Le bonus, 6,000 roubles. Dividend to be 3,000. Dividende, 3,000 roubles. Wages to be 20,000. Rémunération de 20,000 roubles. And I have the total income of 89,000. Et nous avons un total de, le total nous fait 89,000 roubles. Now, in my expenses column now, I have my tithe as 8,900. Donc, mes dépenses maintenant, c'est 8,900 pour la dîme. Which is 10% of my income, total income. Qui fait 10% de mon revenu total? I have my offering to be 5,000. Mes offrandes, c'est 5,000 euros. Rent to be 20,000. Le foyer, 20,000 euros. And for that tithe and offering, pour la dîme et les offrandes, we can only do that as a child of God. That is for somebody that has accepted the Lord as a personal Lord and Savior. C'est seulement pour ceux qui sont enfants de Dieu qui ont accepté Christ comme le Seigneur Sauveur. Peradventure, there are people in our midst that are yet to give their life to Jesus. Parmi nous, il y a sûrement des gens qui n'ont pas encore donné leur vie à Dieu. Please, you need to surrender your life to Jesus. S'il vous plaît, vous devez donner votre vie à Dieu. À Christ. This is when your tithe off. Sorry, please. This is when your tithe. C'est là où votre dîme. And your offerings. Et offrande. Can be acceptable. Can be acceptable. Sont acceptés par Dieu. So if you have not given your life to Jesus. Donc, si vous n'avez pas encore donné votre vie à Dieu, please do so today. Faites-le aujourd'hui. So that you can
benefit from the blessings that is accrued to those that pay their tithes and offering. Comme ça, vous pouvez bénéficier de tous les bénéfices, de tous les bénéfices, de toutes les promesses divines pour ceux qui paient leur offrande et leur dîme. And that is when all other things can be easy for you to achieve. Et c'est à ce moment-là que toutes les autres choses seront faciles à atteindre. So like I was saying earlier, your house keep too. 15, comme je l'ai déjà dit, les besoins ménagers. I put 15,000 for house keep. J'ai écrit 15,000 euros. Fuel or transportation, I put 1,005. Pour le carburant, le transport, j'ai mis 1,500. Child care, parents, I put 20,000. L'aide aux parents, prendre soin des enfants, j'ai mis 20,000 euros. Then, my savings, I put 17,800. Pour mes épargnes, j'ai écrit 17,800. Which is 20% of my total income. Qui fait 20% de mon revenu total. Clothing, 5,000. Habillement, 5,000 roubles. Others, 5,000. Autres, 5,000 roubles. From my estimate, selon mes estimations, I have 98,200. Pour la dépense totale, j'ai 98,200 roubles. And I have a deficit of 9,200. J'ai un déficit de 9,200 roubles. That is, my expenses is greater than my income. Ce qui veut dire que mes dépenses sont plus que mes revenus. Then what do I do? Que dois-je faire alors? Not to run into debt. Pour ne pas avoir des dettes. I will look at where I can cut down my expenses. Je vais voir où je peux diminuer mes dépenses. I have studied the housekeeping. Donc je diminue au niveau des besoins ménagers. I have studied clothing. L'habillement. So I can cut some money down from my housekeeping. Donc je peux enlever quelques sous des besoins ménagers. Cut some money down from my clothing. Enlever de l'argent de l'habillement. As well as cutting some money down from my others. Et aussi couper de l'argent de autres. So that I will not have a deficit budget. Pour que je n'ai pas un budget déficitaire. And for those that have surplus. Et pour ceux qui ont un surplus. So the best thing to do is to add that your surplus to your 20% savings. Le meilleur moyen maintenant, c'est d'ajouter ce surplus à votre épargne. So that you can have more. Pour que vous puissiez avoir plus. In your savings. Dans vos épargnes. And like we advised last time. Et comme on l'a conseillé la dernière fois. So when this savings gets a particular amount of money. Quand vous atteignez une certaine somme d'argent dans votre épargne. We turn it to investment. Vous transformez cela en investissement. So that it can generate more rate of returns for us. Pour que ça puisse nous donner plus de profit. In conclusion. En conclusion. Manage your money well. Gérez bien votre argent. And discipline yourself to stick to your budget. Et disciplinez-vous pour pouvoir respecter votre budget. It takes discipline. Vous avez besoin de discipline. To be able to achieve those things. Pour pouvoir atteindre cela. And for those that find it difficult to achieve. Et pour ceux qui pour qui c'est difficile à atteindre. And pray to God for help. Je prie à Dieu pour qu'il vous aide. He's the one that can help one. C'est le seul qui peut aider. To achieve the unachievable. Pour atteindre l'inatteignable.
And your savings should be for a purpose. Et vos épargnes doivent avoir un but. When you are saving, it should be for a purpose. Quand vous épargnez, c'est pour un but. Whether speculative motive, soit des motifs de spéculation, that is you intend to invest it to buy shares. Donc ça veut dire vous utilisez cet argent pour acheter des actions. Or precautionary motive, ou des motifs de précaution. In case of unforeseen or contingencies. Donc au cas de situation de crise. Or for transaction motive. Ou pour des motifs de transaction. To buy something. Pour acheter quelque chose. Next slide. Thanks and God bless you. Merci beaucoup et soyez bénis. Wow, thank you. I believe that we have all learned something. Thank you so much, Ma. Merci beaucoup. Je suis sûre que chacun de nous a appris quelque chose. Merci beaucoup. So please, now it's time for questions. C'est l'heure des questions. So please, if you have any question, please kindly send it to the chat box. Si vous avez des questions, écrivez-les dans le chat. So that mommy can answer your questions. Pour que maman puisse répondre aux questions. So please feel free to send in your questions. Feel free. Donc, sentez-vous libre d'envoyer vos questions. Okay, mommy. Okay, there's a question here. Okay, Ma, it says, how can one make a budget if your income is not steady? For example, if you make hair and you don't know how many clients you can have per month. Donc la question est la suivante, comment faire un budget si vos revenus ne sont pas stables? Par exemple, le business que vous faites, c'est tresser les gens et vous n'avez pas les mêmes clients chaque mois. Like I said earlier. Comme je l'ai déjà dit précédemment. When you want to make a budget, particularly when you have not made one before. Quand vous voulez faire un budget, surtout que vous ne l'avez pas encore fait précédemment. You check your previous, for those that are doing business, you check your previous income, how you receive money. Donc vous regardez, as now money comes into your hand. Vous regardez vos précédents revenus, combien vous receviez. Then you divide by a particular by 12, which is throughout the year. You check how much comes into your hands. For those that are not working. Pour ceux, si c'est un montant reçu pendant toute une année, vous divisez par 12. Ça, c'est pour ceux qui ne travaillent pas. Then you divide that money by 12. Donc, vous divisez par 12 si c'est pendant toute une année. So by that, you get for one month income. Et là, vous recevez l'argent, le revenu d'un mois. And you now prepare your budget based on the lowest income. Et vous faites maintenant votre budget en utilisant le plus petit revenu. I don't know if I'm clear. Like if in a month, like, you know, it's not all the time customer come. If like 1 month you have 2,000, the next month you have 3,000, the other month you have 1,000. Donc, je ne sais pas si je me fais comprendre. Par exemple, vous avez un business, un mois, ça vous a rapporté 2,000, le deuxième mois, 3,000, un autre mois, 1,000. You don't have a fixed income. Vous n'avez pas un revenu fixe.
then let your budget be on that 1,000. Donc, faites votre budget par rapport à 5 000 que vous avez reçus. And when you have surplus, et quand vous avez un surplus, then it's at your own advantage. C'est pour votre propre avantage. Which you can now take to savings. Donc, vous pouvez maintenant les ajouter à votre épargne. Hope I've answered that question. J'espère que j'ai répondu à la question. That is your budget with the limit, I mean, least amount of money that you get, not from the highest. Donc, vous faites votre budget par rapport au plus petit revenu que vous avez reçu, pas le plus grand. Okay, Ma, thank you so much, Ma. Merci, Maman. There's another question here, Ma. Il y a une autre question. It says, Ma, you spoke last time about bonds. Okay, bonds. Do you have an idea of trustworthy organizations that are doing such in Nigeria? Donc, Maman, la dernière fois, vous avez parlé d'action. Est-ce que vous avez une idée de compagnie fiable au Nigeria? Actually, the federal government. Donc, on parle du gouvernement. Le gouvernement du Nigeria. Hello. Yes, ma'am, we can hear you, ma'am. I said the federal government of Nigeria normally sells from time to time. Donc, il y a la fédération du Nigeria elle-même qui vend de temps en temps. And I would say because of the pandemic. Et à cause de cette pandémie. And that is why they couldn't sell this year. C'est pour ça ils n'ont pas encore pu vendre cette année. And another way in which you can buy bonds is when you go to the bank. Une autre façon de trouver les actions, c'est d'aller à la banque. And thank God, most of the banks now, they are under the control of CBN, Central Bank of Nigeria. Donc, et la plupart des banques sont sous le contrôle de la Banque Centrale du Nigeria. So there is possibility that you will not lose your money. Donc, il y a la possibilité de ne pas perdre son argent. So you can, Central Bank, I mean, Central Government do sell. You Donc, can, le gouvernement fond. You can do that through the bank too. You can buy bonds through the bank. Ou vous pouvez acheter à travers une banque. Or you go to the stock brokers. Ou bien vous allez chez les revendeurs. That stock broking firm. Ceux qui ont les brokers, ceux qui s'occupent de ça. Those that help to buy and sell shares. Ceux qui permettent de aider à acheter et à vendre les actions. They can help you. Ils peuvent vous aider. And you can even do it through the mutual fund that we talked about last time too. Vous pouvez aussi le faire à travers les fonds mutuels dont nous avons parlé la dernière fois. So we can do that through all those mediums. Donc, tous ces moyens sont là pour que vous puissiez le faire. OK, thank you very much, Ma. Merci beaucoup. Yes, Ma. And then there's another question here, Ma. It says, please, Ma, is there a minimum amount one can start with to buy bonds? Est-ce qu'il y a une somme minimale pour commencer par acheter des obligations ou des actions? The last time I know of 5,000 naira for Nigeria, 5,000 naira. La dernière fois, je sais qu'il fallait 5 000 naira. Ça, c'est pour le Nigeria. Okay, thank you very much, ma'am. Another question here is, is it advisable to trade forex? Est-ce qu'il est conseillé de faire le commerce sur forex? Like I said last time, I don't know about forex, so I can't give a particular answer for that. Comme je l'ai déjà dit la dernière fois, je ne maîtrise pas forex, donc je ne peux pas répondre à cette question.
Maybe the person can contact those that are into it, but I don't know about it. Donc, il faudrait que la personne trouve conseil, aille trouver quelqu'un qui puisse la conseiller, parce que moi, je ne sais pas. Ok, thank you, ma'am. Merci beaucoup. Please, if you have any questions, please send us your questions. Si vous avez d'autres questions, s'il vous plaît, posez-les. Ok, ma'am, I personally have a question. Moi-même, personnellement, j'ai une question. Let's say someone wants to start an investment. Okay. Disons quelqu'un veut commencer un investissement. But they don't know what to invest in. Mais ils ne savent pas dans quoi investir. Do you have any advice, ma'am, on what they can invest in or yes? Est-ce que vous avez un conseil dans quoi ils peuvent commencer par investir? Thank you, ma'am. Merci. Like if one wants to invest and you don't know what to invest on. Si vous voulez investir, vous ne savez pas dans quoi investir. Through stock or into business. Si nous parlons d'action ou de business. Let's say into business, ma'am. OK, on parle de business. Into business, you have to do your... You analyze your environment. Pour le business, vous analysez l'environnement. Through environmental analysis. Vous faites une analyse de l'environnement. You check your area. What actually do they need? Vous regardez votre environnement. De quoi ont-ils besoin? Dans cette, like dans, I want to, dans ce domaine. I want to cite an example, like into business, like you said. I remember sometime when we are growing up, and in the area then, to have fridge or freezer, it's those people that, it's not everybody that can afford it. Donc, laissez-moi parler d'un exemple. Quand on grandissait dans la région où j'habitais, ce n'est pas tout le monde qui pouvait avoir un réfrigérateur ou un congélateur. And people normally want to drink ice water. Et tout le monde veut boire de l'eau glacée. Because of the weather condition of Nigeria generally. À cause de la condition du temps, de la température nigérienne. And in the area, there are sites. Donc, et dans notre région, building sites. Dans la région de construction. And you know, workers, after working in the sun, they will need very cold water. Ceux qui travaillent là, ils avaient vraiment besoin de l'eau glacée. And what can I do? I started selling ice water then. Then it was not time for pure water. It was ice water then. Donc, ce n'était pas le temps de pure water, c'était le temps de l'eau glacée et je ne commençais pas à vendre. So, and before you know it, people started coming to be buying. Et avant qu'on se rende compte, les gens ont commencé pas à acheter. By that, I identified the need that people definitely need ice water. Donc, ça montre que carrément les gens avaient besoin de l'eau glacée. And I needed to fill in the gap. Donc, je devais remplir ce besoin-là. So by that, people started coming to buy and business started moving gradually. Donc, les gens ne commençaient pas à acheter, le business a commencé pas à grandir pas, petit à petit. And by that, et I was making the money as the case may be as at that time. Je me faisais de l'argent à ce temps-là. Because I was able to meet the need. Parce que j'ai pu rencontrer le besoin des gens. After identifying the need of that area. Après avoir identifié le besoin dans cette région. It could be food. Ça peut être la nourriture. People will definitely eat. Les gens mangent. If you are good at cooking. Si tu sais très bien cuisiner. There's nothing stopping you to turn it to money for you.
Rien ne t'empêche de transformer cela en argent pour toi. Before you know it, you begin to employ people. Because of avant que tu te rends compte, tu vas même commencer par employer les gens. Cannot do that business alone. Parce que tu ne pourras plus faire ce business seul. So, you identify the needs of the people. Donc, tu identifies le besoin des gens. And you meet it. Et tu commences dans cela. So, by that, you can invest in entrepreneurship. Et comme cela, tu investis dans l'entrepreneuriat. Or, if you are not clear what to do, you can ask God in prayer. Ou si tu ne sais pas du tout quoi faire, tu peux demander à Dieu dans la prière. And God will always give us direction as his children. Et Dieu va toujours donner la direction à ses enfants. And if you have talent in doing business, there's nothing stopping you. Et si tu es talentueux dans le business, rien ne peut t'arrêter. I remember also as a student then, I sell to my fellow students too. Je me rappelle quand j'étais étudiante, je vendais aussi des objets à mes camarades. And when I went for youth service too, I sold to the people in the environment too. Et quand j'ai commencé pas à travailler, je vendais là-bas aussi dans l'environnement où j'étais. And when I was working too, I sold to the people. Donc, aussi, quand je travaillais, la même chose. Some will even help you to sell without even paying for that. They will help you to sell. When people see it from them, they will say, where do you get this thing? By that, they will help you to sell. Il y a d'autres personnes même qui vous aident à vendre sans réclamer de l'argent. So if you have talents to do business, there's nothing stopping you to do. Donc, si vous êtes talentueux dans le business, rien ne vous arrêtera. And the word of God says, whatsoever we lay our hands upon, we shall prosper. Et la parole de Dieu dit, tout ce que nous faisons avec notre main, nous allons prospérer. Definitely, as a child of God. Donc, définitivement, comme enfant de Dieu, when you lay your hands on that business, you definitely prosper. Quand tu commences un business, tu vas prospérer. Because you're a child of God. Parce que tu es enfant de Dieu. J'espère que j'ai répondu à la question. Thank you so much. Merci beaucoup. Okay, ma, there's another question about shares. Qui parle toujours d'action et d'obligation? That's investing in companies for shares. Okay. Investir dans une compagnie. How does one go about knowing the right company to invest, like to get shares? Comment savoir quelle est la bonne compagnie dans laquelle acheter des actions? Like because I'm listening. Okay, but I only do that because we know that it's not all companies that we can invest in. So are there like some signals or something that we can you know take note of when investing? Nous savons que c'est pas dans toutes les compagnies nous pouvons investir. Quels sont les signaux auxquels nous devons faire attention pour comprendre cela? If you have an account with a stockbroker, a stockbroking firm. Si vous avez un compte et vous avez un contrat avec un broker. Most of the time, they normally have list of the market price. Ils ont normalement le prix sur le marché. That will tell you this also company share what's this amount per unit. Qui vous dit que cette compagnie, son action coûte telle somme par unité. So in that with this, so when you have an account, they have the list of different companies. Seven of this amount of their shares. ICO, this amount of their shares. First Bank, this amount of their shares. So, sorry, please. Donc, ils ont une liste des différentes compagnies. Donc, elle a donné quelques exemples. Mm-hmm. So, different companies, they will list the prices of each company's share.
Donc, il y a la liste du prix de chaque action dans chaque compagnie. By DM, you can see that at this company, you see some people 0.0 naira, some people 300 and something, some people 1,000 plus. So from me looking at those price lists of those companies. Donc, vous regardez le prix des actions, ça peut être 0,03, ça peut être 3000, etc. You will know which one is viable or which one is not viable to invest on. Donc, vous allez voir et comprendre ce qui en vaut la peine, où il en vaut la peine d'investir. By the time you see 0.0 something naira, that should tell you that this company, they are on negative. Quand vous voyez une action dont le prix c'est 0,0, vous devez comprendre que la compagnie est dans le moins. So it means you can't invest in their company, in their shares. Donc, ça veut dire que vous ne pouvez pas investir là-bas. And you can even get some price lists from some newspapers. Donc, il y a des prix qui sont dans des journaux nigériens. Some newspapers normally say this, the highest gainer, highest losers. Donc, certains journaux écrivent le prix des actions. So by that you know whether if it is highest gainer, you know that it's worthwhile. Donc quand vous voyez cela, vous comprendrez si ça en vaut la peine ou pas. And if it is highest loser, you know that you don't need to. Nobody need to tell you that you don't need to invest on this highest loser. Quand vous voyez les autres compagnies qui font un déficit, vous comprenez que c'est pas la peine d'investir là-bas. And at the same time, you can seek for professional advice from your stock brokers. Et toujours, vous pouvez demander conseil à vos brokers. They should be able to advise you better. Ils sont capables de vous conseiller mieux. But above all, God, you seek God first. Mais avant tout cela, vous cherchez Dieu d'abord. Because there's possibility their advice to fail at times. Parce que c'est possible que le conseil aussi soit de mauvais conseils. So I pray God will lead us right in Jesus' name. Que Dieu nous guide correctement au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Thank you so much, ma. There's another way in which you can know which company to invest. Is une autre façon de savoir. That some company may not declare dividend. Qui ne déclarent pas leurs revenus, les dividendes. Like we know, if you remember, when we are mentioning our source of income, we mentioned dividends. Quand nous avons parlé de source de revenus, il y avait les dividendes. So some people don't have the ability to declare. Donc il y a certaines compagnies qui ne déclarent pas les dividendes. And for those that have the ability to declare their dividends. Et ceux qui les déclarent. Then you can know from the dividend they declare. Check their yearly record to see how they are declaring the dividend. Donc pour ces compagnies là, vous regardez pendant toute une année s'ils le font. By that you know whether it's worthwhile to invest in their company or not. Ça vous permettra aussi de comprendre si ça en vaut la peine d'investir dans la compagnie ou pas. So if they were able to pay dividend at the end of the year. Est-ce qu'ils ont été capables de payer les dividendes à la fin de l'année? So it's worth investing in. Donc, c'est ce qui permet de comprendre s'il faut investir. And if they were unable to declare dividends. Et s'ils ne sont pas capables de déclarer les dividendes? At the end of the business year. À la fin de l'année de business. It means it's not worth investing in. Ça veut dire que ce n'est pas la peine d'investir en eux. Ok, ma. Thank you so much, ma. Merci beaucoup, Momo. Dr. Desi had a question. Over to you, Dr. Desi. Dr. Desi a une question. Thank you very much, mommy. Thank you very much, mommy. My question is on, perhaps mommy knows some basics of bookkeeping. Let's say, for instance, you have a small business and you're not so acquainted with accounting and so forth. But you want to like be really effective in your bookkeeping for this small business. So maybe perhaps mommy has some basics or simple basics on bookkeeping for a small business.
is just starting or somebody that already has a business, but they're really struggling with keeping bookkeeping in their business. So maybe if they have mommy and some simple donc, hints. Of donc peut-être que maman a allô. When you are doing business. Please, mommy, I didn't. No, I didn't finish to translate her question. Oh, sorry. I didn't stop. Attends, OK. Donc, est-ce que maman peut nous aider à connaître quelles sont les bases de trouver un journal de comptabilité? Parce que quand on commence un business, il faut avoir un journal de comptabilité. Donc, est-ce qu'il y a des bases? Comment le faire? À mon quémant. OK. So, when you are into business, quand vous êtes dans le business, you must take stock. As in, let's assume you are selling, you keep record of your items that you are selling. That's taking stock. Donc, vous notez tout ce que vous vendez. Vous faites le stock de ce que vous avez. Let's assume you are selling, let's say, different bottled water now. Good. Disons que vous vendez différentes bouteilles d'eau. So you say, okay, I have 10 bottles of Cone Forest. Donc, vous dites, j'ai 10 bouteilles de Cone Forest, par exemple. I have probably 5 bottles of another bottled water. 5 bouteilles d'une autre compagnie d'eau. No, I don't know most of their names. Yeah, different company like that. Mm-hmm. Donc, d'autres de différentes compagnies. So, all those bottled water, the Cone Forest, let me check this one here. Yeah? Oh, sorry, it's in Ruski. Sportuk. I don't know whether I'm right. Sportuk. Somebody's laughing. Am I correct? This water, please. This is. Так, святой источник. Please, English. Holy sources. Holy. Okay. Please, let me just. Let's say this water now. I have 10 pieces. Moi, j'ai 10 bouteilles de Cone Forest là. This bottle now, I have another 5 pieces. Et pour cette compagnie, j'en ai 5. And so on like that. Ainsi de suite. So I will take record of each one like that. Donc, je note chacune. At the end of the day. À la fin de la journée. In the night, before you sleep. La nuit avant que tu ne dormes. You will do stock taking again. Tu regardes encore le stock que tu as. Hope you are getting me. Est-ce que vous me comprenez? How many bottles of this do I sell today? Combien de ces bouteilles j'ai vendu aujourd'hui? You record how many you sell. Combien, donc tu notes combien tu as vendu. You take the second one. How many bottles of this do I sell today? Donc la deuxième bouteille, la même compagnie, même chose. Combien de bouteilles de cette compagnie j'ai vendu? You write how many you sell. Et vous écrivez combien vous avez vendu. Against the price, unit price. Et le prix unitaire. Price for one. Le prix d'une bouteille. You now multiply price for one. Vous multipliez le prix d'une bouteille. With the quantity that was sold that day. Par la quantité qui a été vendue cette journée. So by that now, you can know how much you gain from this bottles of this you sold. Et de là, vous savez quel est votre gain, combien vous avez gagné de la vente de cette. How much you gain from these bottles that you sold too? Combien vous avez vendu, gagné de la vente de cette bouteille d'eau? And at the same time, you know how many quantity that you have left. Et en même temps, vous savez combien de bouteilles vous reste. For each product. Pour chaque produit. Of as many products as possible. Donc, pour tous les produits dont vous avez besoin. So by that, and you'll be keeping records
you know your income, that how much that comes in the revenue now, not the revenue. That the total sales now, then you remove the cost of buying those things, then you get your gain, and how much you can use to go and buy to replenish your stock. Donc, à la fin, vous savez quel est votre gain parce que vous savez combien vous avez gagné. Vous faites ça moins le prix d'achat. Et en plus, vous savez combien de bouteilles il faut racheter pour remplir votre stock. And there is what they call minimum level in business. Et il y a ce qu'on appelle le minimum, le niveau minimum, minimal en business. That is when you need to replenish your stock. Donc, jusqu'à quel niveau vous devez remplir votre stock? By this, you know how much you incur in that product. Comme ça, vous savez combien vous investissez dans le produit. You remove your overhead cost too. Vous enlevez. From your profits, it's not only water you are selling now, all your brand of products, you remove your overhead cost. Donc, vous enlevez votre surplus sur chaque produit que vous avez. The cost of electricity. Donc, le prix, vous déduisez le prix de l'électricité. The cost of your transportation. Le prix de la transportation, du transport. The cost of your rent. Le prix du loyer. So, all those things, you remove that small unit from each category of product line. Donc, vous déduisez tout cela du profit que vous faites dans chaque catégorie de produits. That is when you can say you have your profit. Et c'est là vous aurez votre profit véritable. So, for your profit now, you now pay yourself. Donc, de votre profit maintenant, vous payez vous-même. Hope I've answered the question. And if you are not clear, let me know, please. J'espère que j'ai répondu à votre question. Si ça n'a pas été clair, laissez-moi savoir. Faites-moi savoir. Yes, yes, mommy. Thank you very much, ma. Merci, maman. Merci beaucoup. Thank you so much, ma. There's another question here, ma. Yes, ma. Il y a une autre question. Does working with a stockbroker mean that you will have to pay him? If you invest with a stockbroker. Quand vous travaillez avec un broker, est-ce que vous êtes obligé de lui payer? Does it mean that you will have to pay him? And if yes, what is the average rate they are collecting? Si vous devez le payer, quel est le prix moyen de ce qu'il ramasse? Not that you are working, you are investing, they are helping to manage your portfolio. Et vous êtes à gérer votre budget, votre portefeuille. Except if they employ you as a worker then. But if they help you to buy shares, to sell shares, it means they are helping you to manage your portfolio. Si vous êtes à acheter et à vendre, ça veut dire que vous êtes à gérer votre argent. You will pay commission for buying and selling. Oui, vous le payez une commission. That is, if they are helping you to buy and sell, you pay commission. Yes, vous ma'am. And it's very minimum. Et c'est minimum. Compared to what you will gain. En comparaison avec ce que tu vas gagner. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Thank God. Please, does anyone else have any other question? Est-ce que vous avez d'autres questions? Okay, ma, while we're waiting for the other questions, I have one last question to ask. No problem. Il y a une dernière question, mom. Is it advisable to get a mentor? Est-ce que c'est conseillé d'avoir un mentor? To help in budgeting, to help you to know more about budgeting and investment. Pour savoir plus à propos de l'investissement et du budget. On that investment, like I said earlier, comme je l'ai déjà dit par rapport aux investissements,
You go to a stockbroking firm. Vous allez chez des brokers, une compagnie de brokers. By that, you register with them. You open an account with them. Vous ouvrez un compte avec eux. As if you are opening an account with a bank. Quand vous ouvrez un compte avec une banque. So there is possibly they will attach a marketer to you. Or bank you. Or I want to remember how bank put it. Relationship officer, I think. Ils vont vous donner un manager à vous. You have a relationship officer which you can be dealing with. Avec qui vous allez communiquer. So it is then that you can give them mandate. Please, I need to buy these shares. Buy these shares for me. Et c'est à lui que vous direz, je veux acheter telle action, achète telle action pour moi, s'il te plaît. Oh, I want to sell my stocks. Help me to sell these stocks. Ou bien je veux vendre. Aide-moi à vendre, s'il te plaît. So you deal with your relationship officer. Donc vous avez un manager avec qui vous communiquez. That is the person that will help you in keeping your portfolio. Donc c'est celui qui va vous aider. And for mentor in the question again, I can't remember. Yes, my mentor in knowing how to budget. How to budget? Maybe you read books, you go for seminars. Donc pour le budget, vous lisez des livres, vous allez à des séminaires. By that you can, I think you should be abreast with. By the time you read books, you go for seminars, you go for conferences, you'll be. Vous allez au séminaire, aux conférences. You'll be abreast with budget, how to make budget. Qui vous dire, ils vous conseilleront pas à pas comment faire des budgets. Okay, thank you very much, Ma. Merci beaucoup. Thank you, Ma. We have been so blessed today. So nous étions grandement bénis aujourd'hui. We are so grateful, Ma. Nous sommes vraiment reconnaissants. God bless you, Ma. Que Dieu vous bénisse. So in the absence of any other question, dans l'absence de toute autre question, please, Dr. Idera, please can you round up for us? Nous allons demander à Dr. Idera de clôturer pour nous. Here's what I found on the web. Over to you, Dr. Idera. Thank you. Merci. Okay, let's bow our heads for prayer. Please, baissons nos têtes pour la prière. Lord, we bless you. We thank you for all that you have done today. Père tout puissant, nous te bénissons, nous te remercions pour tout ce que tu as fait aujourd'hui. We thank you for the life of our speaker today. Nous te remercions pour la vie de notre oratrice aujourd'hui. We thank you for the life of all the participants. Nous te remercions pour la vie de tous, de chacun des participants. Que ton nom soit glorifié. Father, we thank you for this word you have brought to us today. Thank you, Seigneur, nous te remercions pour ce que tu nous as donné aujourd'hui. We ask that you give us the grace to make it useful in our lives, Lord. Nous te demandons la grâce de rendre ça pratique dans nos vies. Let us not be hearers of this word alone, but doers. Que nous ne soyons pas seulement ceux qui écoutent, mais ceux qui accomplissent. We thank you once more for the success of this program. Nous te remercions encore une fois pour le succès de ce programme. May your name be praised, O Lord. Que ton nom soit glorifié. Oui. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Thank you, everybody. Thank you very much, Mommy. God bless you. Thank you very much, Mommy. Thank you, Ma. Thank you. Thank God. Thank you, Ma. Thank you, Ma. Thank you, Ma. Thank you, Ma. Thank
Thank you. Yes, Mama. Thank you. No more deficit. Amen. 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 Thank you, Chin. Thank you. Can we? Yes, Mom, you are free to go. The meeting is over. Thank you. See you in the next 2 weeks. Dr. Idela did not announce. We announce to you on the Star Network. Next meeting in the next 2 weeks. We're going to have a health talk in the next 2 weeks by the, God, by the grace of God. Thank you very much. Please, the team, the moderator, please, kindly stay behind for the closing prayer. Let us pray before. Okay. Allô? Merci beaucoup, Mary. Que Dieu te fortifie. Amen. Merci beaucoup, Sra Marie. Tu vas faire quoi? Tu vas manger, mais tu vas faire quoi? J'ai un peu faim. Je vais faire blin chiki. Wait, I'm trying to cook. Okay, bye-bye, everyone. Thank you, Mary. Thank you. Bye-bye. This is not coming out, can you? Okay. Interesting, mommy. I want to... Who is the moderator? Am I the moderator? The moderator or the host, mommy? Nima, please kindly switch up. Oh, I should end the meeting, ma'am. No, let me come out here. Well, I make you the host. Don't end the meeting, oh, please. No, ma'am. I see this one is singing. Hello. Yes, mommy. Please let us come on. Hello. Hi, Dr. Idela, end of the meeting, we'll come back again. Okay. Thank you. So I should end the meeting, ma'am? Yes, please, end of the meeting. Let us come on. Okay, ma'am. Hi, Dr. Idela, end of the meeting, we'll come back again. Thank you. So I should end the meeting, ma'am? Yes, please, end of the meeting. Let us come on. Okay, ma'am.